Bon, c'est papa qui m'avait appris à chasser. Là, j'avais encore 15 ans, j'étais encore beaucoup jeune. J'apprenais le samedi, j'ai parti en bourse avec papa. Il m'a montré comment il faut piéger, comment il faut tirer. La chasse m'aide. Quand j'ai fait une partie de la chasse, j'ai au moins 20 000. Et moi, pour moi, c'est déjà beaucoup. J'ai un peu de pétrole, de savon, je vois que ça m'aide. J'ai au moins 2 bêtes, je laisse. J'ai comme la gazelle, je mets 2 gazelles à cuisiner. Manger avec la famille et les enfants. Les autres, j'amène en ville. Chercher un peu les moyens financiers. Je suis dans l'association des chasseurs. Je suis dedans. Je suis secrétaire. Nous, on est là avec mes frères chasseurs. Moi, je suis d'abord enquêteur. Je suis dans le projet Niaman. Donc, ça me permet d'écrire comme ça ce que j'ai fait là. Quand je pars en bourse, je prends mon carnet, j'ai mon GPS, je rentre en forêt, je prends la date, je prends l'heure. Je prends le jarre si c'est une femelle, si c'est le mâle, et l'air que j'ai tiré au gibier. Tout ça, je vais noter dans mon carnet. Je vois que depuis 2019, que le projet Niamey est rentré, je vois qu'il y a un petit changement là. C'est bon, je vois que c'est bon.